Une trentaine des présumés bandits à bout de tambo a été présentée à la presse locale ce samedi par les services de sécurité de la ville. Parmi eux, l'on compte des forces de l'ordre et des civils. La lutte contre le coronavirus étant une affaire de tous, les personnes sourdes muettes aussi doivent connaître les enjeux de cette pandémie. À Mbandaka, plus d'une centaine d'enfants malentendants a été sensibilisés sur la prévention contre la COVID-19.